Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette session de l'Université d'été d'Amnesty International qui est consacrée au thème Où va la Chine et à quel prix? La Chine, ce pays passionnant, impressionnant, mais aussi inquiétant lorsqu'on pense aux droits humains. Pour éclairer ce sujet vaste et passionnant, nous avons la chance d'accueillir ce soir pas moins de trois spécialistes de la question. Je vais vous présenter successivement d'abord Marie Holzmann, qui, j'allais dire, nous vient de France, mais comme c'est en téléformat, Covid oblige, elle nous rejoint par le mode électronique. Marie Holzmann est sinologue, elle est enseignante en chinois, traductrice, elle est spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence, du phénomène de la dissidence en Chine. Elle est spécialiste, mais aussi active dans la défense de ces personnes qui sont emprisonnées ou harcelées, de tous ces dissidents. On a eu l'occasion de la croiser sur les dossiers de Luxia, par exemple, ou encore d'Ilham Tohti. Ensuite, nous avons également le plaisir d'accueillir Vanessa Francheville, qui est Bonsoir. maître de conférences, bonsoir, et titulaire de la chaire d'études chinoises à l'ULB. Ses recherches portent essentiellement sur les questions techniques et la construction de l'idée de nation en Chine. Elle se passionne particulièrement pour la question des Ouïghours en Chine. Enfin, notre troisième participant sera Stijn de Klerk. Bonsoir. Bonsoir, Stijn. Stijn a étudié et a travaillé en Chine de nombreuses années. Il a une grande connaissance de la culture et du système juridique chinois. Il travaille pour Amnesty International Nederland comme coordinateur du programme Chine et il intervient dans de nombreux programmes universitaires, masterclass en rapport avec les droits humains et la Chine. Bref, nous avons la chance d'avoir trois intervenants remarquablement informés, très bien placés, pour essayer de mieux comprendre lors de ce débat les enjeux clés qui sont liés à la Chine. Et on va essayer de voir ça en mode prospectif. Je vais essayer de les interroger tous les trois sur quelques thèmes stratégiques liés à l'émergence de la Chine comme grande puissance et les impacts que ça peut avoir en matière de droits humains, tant en Chine que partout dans le monde. Je vous rappelle, ou je vous dis, en tout cas, vous avez l'occasion de réagir et de poser des questions suite aux différentes interventions via les commentaires sur YouTube ou encore Facebook. Vous pouvez également, pour ce faire, envoyer un mail à l'adresse université.be. Donc, n'hésitez pas de participer. Nous essaierons de consacrer au moins une quinzaine de minutes à aborder, les principales questions complémentaires que vous auriez l'occasion de poser. Et voilà, on va commencer sans tarder parce que le sujet est extrêmement vaste et je commence directement par le premier thème, qui est assez général mais qui est quand même crucial. Ce premier thème, c'est en partant du constat que la Chine a fait ces 20 dernières années une progression absolument formidable. Elle est en train, semble-t-il, beaucoup de gens le prédisent, de devenir un acteur dominant ou même le premier acteur mondial sur la scène mondiale qui pourrait prendre tout simplement le leadership et qui pourrait dépasser les États-Unis dans peut-être pas si longtemps que cela. La question générale que j'aimerais bien aborder, c'est est-ce que vous pensez, c'est chaque fois évidemment votre analyse personnelle, votre sentiment personnel, est-ce que vous pensez que cette montée en charge est inexorable? C'est vrai qu'on a l'impression ces dernières années d'un parcours sans fin, d'un parcours, d'une progression remarquable. Est-ce que vous pensez que ça va continuer comme ça ou bien y aurait-il peut-être des éléments structurels, certains types de problèmes qui pourraient faire dérailler le train, si j'ose dire? Pensons d'abord au niveau, c'est vrai que la Chine semble signer des résultats absolument remarquables au niveau des progrès et des droits économiques, sociaux et culturels, mais est-ce que ça va durer comme ça? Est-ce que ce modèle va pouvoir continuer? Est-ce qu'il y a des pièges? Je pense à la pollution, au vieillissement de la population, des choses pareilles. Et puis, il y a évidemment le deuxième volet, c'est on sait que la Chine, il y a un prix très cher qui est payé, c'est le fait que les droits civils et politiques sont, eux, très, très largement bafoués.
on le sait, on ne va pas y revenir en détail, on connaît tous les problèmes qu'il y a en Chine au sujet. Donc ma question, c'est est-ce que vous pensez que ces problèmes de droit civil et politique pourraient être un facteur déstabilisateur pour la Chine, qui pourrait causer des problèmes, provoquer des changements? Et derrière cette question, est-ce que ça préoccupe beaucoup de personnes en Chine? Est-ce que beaucoup de personnes seraient, quel est le pourcentage de personnes qui seraient prêtes à se bouger pour cela, même si on sait que c'est très difficile? Voilà le problème très général que j'aimerais bien aborder avec chacun de vous pour commencer. Et je propose à Stein de peut-être commencer à réagir sur cette question. Ok, d'accord, merci beaucoup. Oui, c'est une question quand même assez grande, mais je vais essayer d'être bref là-dessus. Alors, premièrement, est-ce que la progression économique, cette montée en charge, est-elle inexorable ou pas? Alors, je ne pense pas que c'est inexorable. Il y a quand même des problèmes ou des obstacles. Oui, des défis qui peuvent entraver cette progression. La croissance traditionnelle de la Chine axée sur l'exportation, le secteur manufacturier confronté déjà depuis longtemps à des vents contraires dus à la compétition des autres pays, faiblesse de la demande extérieure, etc. En même temps, et peut-être le plus important, c'est la Chine a vu se creuser les inégalités de revenus et d'opportunités. Alors, on écoute beaucoup le Parti communiste elle-même qui dit oui, on est très bien à respecter les droits économiques puisqu'on a quand même sauvé 800 millions de personnes de la pauvreté et tout ça. Oui, en vrai, ce sont les gens chinois eux-mêmes qui se sont sauvés dès que le Parti communiste a donné un degré de liberté. Alors, c'est quand même quelque chose qui est parfois mal représenté par le Parti communiste. Mais on oublie que maintenant, ces inégalités de revenus, d'opportunités en Chine deviennent de plus en plus grandes. Et c'est aussi quelque chose qui peut vraiment entraver la progression et qui peut justement aussi encourager de plus en plus de gens de démontrer et de vouloir s'exprimer. Alors, c'est aussi une crainte justement du Parti communiste que cela va se faire. Et c'est la réaction standard, c'est un peu de réagir avec de plus en plus de répression là-dessus. Alors, des autres obstacles, je dirais, des risques environnementaux, catastrophes climatiques. Alors, c'est la même chose un peu pour tout le monde, mais en Chine, on sait le smog à Pékin et tout ça, à Shanghai, les autres villes, c'est quand même un défi qui est très grand. Oui, vous avez déjà dit le ralentissement de la croissance démographique, l'expansion de la main-d'œuvre, c'est un autre facteur qui complique le futur. Et puis, il y a aussi la technologie qui est en train de se développer, mais peut-être n'est pas encore là où elle peut vraiment avoir de la compétition avec les autres pays. Alors, très vite, la Chine se rend compte de tout cela. Et puis maintenant, le mot-clé, on dirait, c'est circulation duale. C'est la nouvelle stratégie économique que le Parti communiste maintenant met au centre. Alors, c'est d'un côté l'importance de la demande étrangère, circulation internationale, mais le plus important maintenant, c'est de stimuler la demande domestique, la circulation interne, et de se protéger plus des chocs extérieurs. Et puis, chocs extérieurs, on le sait tous, les États-Unis, alors c'est quand même un grand défi. Et maintenant, c'est comment la Chine essaie aussi à se sauver ou à faire en sorte que cette montée économique ne va pas ralentir, puisque ça serait très dangereux pour le Parti communiste lui-même et son pouvoir en Chine. Merci beaucoup. Est-ce que Vanessa, tu peux compléter, donner encore d'autres éclairages sur cette même question, s'il te plaît?
Oui, j'aurais voulu insister sur cette fascination de beaucoup d'Occidentaux ou en tout cas de non-Chinois pour cette montée économique fulgurante chinoise dont on a longtemps cru qu'elle allait s'accompagner d'une démocratisation. Et donc le constat aujourd'hui doit être fait et doit être intégré. Non, ce n'est pas parce qu'un pays devient riche qu'il devient démocratique. Au contraire, la Chine s'est vraiment construite, pardon, ces 30 dernières années. Tu disais 20 tout à l'heure, mais c'est même presque 35 maintenant, toutes ces réformes économiques. Durant ces dernières 35 années, la Chine s'est construite sur un capitalisme sauvage, mais en même temps sur un découplement, en quelque sorte, des questions économiques et des questions des droits humains. Donc ça, c'est un premier constat important à faire, c'est que cette libéralisation économique n'implique pas une libéralisation des politiques en termes sociaux et en termes de respect des droits humains. J'ajouterais juste peut-être aussi, on ne peut pas être prophète et prédire l'avenir de la Chine. Évidemment, tous les problèmes que Stein a cités sont des problèmes graves et importants. Ceci dit, je dirais que le Parti communiste chinois a une capacité d'adaptation assez formidable, et c'est ce qui est le plus effrayant, quelque part, parce que malgré toutes les difficultés, y compris le Covid, hein, le Covid-19, c'est quelque chose dont on a pensé qu'en tant que crise sanitaire qui va toucher les individus, ça allait créer des réactions d'ampleur sociale importante. En réalité, encore une fois, le Parti communiste chinois a réussi, si vous voulez, à récupérer la situation à son avantage en Chine, même si, évidemment, il y a des voix qui s'élèvent. Ces voix, malheureusement, ne savent pas s'exprimer très longtemps. Et c'est plutôt la voix des médias officiels et des Chinois patriotiques qui souhaitent mettre en avant leur appartenance à la Chine comme une appartenance tout à fait harmonieuse. C'est ces voix-là qu'on entend le plus, malheureusement. Maintenant, je dirais une dernière chose, c'est que sur la question économique et sur la question de la montée en puissance de la Chine, il y a quand même une chose à prendre en compte qui est importante, c'est que l'image aujourd'hui de la Chine à l'international est fort dégradée entre Hong Kong. Entre la question des Ouïghours au Xinjiang et la crise sanitaire qui est une pandémie mondiale aujourd'hui, on ne se pose plus seulement la question des droits humains, on pourra revenir dessus, mais on se pose aussi la question de la sécurité et plutôt de l'insécurité que dans laquelle la Chine, si vous voulez, peut mettre le reste du monde dans le cas du Covid-19. Donc il y a une prise de conscience qui va au-delà de la crise maintenant et qui s'intéresse à la gestion en général du Parti communiste chinois, non seulement l'impact de cette gestion en interne, mais aussi au niveau international. Et donc là, il y a peut-être quelque chose, un changement, un déclic qui doit se faire pour repenser nos relations à la Chine. Voilà. Merci Vanessa. Et Marie, tu peux peut-être encore compléter en revenant sur cet aspect, cette question. Est-ce que la dissidence ou la résistance, l'opposition qu'il peut exister en Chine, est-ce qu'elle serait de nature à faire évoluer les choses et à perturber ou à orienter autrement cette grande marche en avant qu'on observe en Chine? Donc, est-ce que le problème des droits humains en interne pourrait avoir un impact, penses-tu, Marie? Je pense que si la question est le problème de la croissance économique et la position de la Chine dans le monde, malheureusement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la dissidence, l'opposition, etc. On raconte que Roujia a été interpellé par la police, et ça c'était il y a 2 ou 3 ans. Et la police lui a dit, tu sais, vous êtes des empêcheurs de tourner en rond, mais nous vous connaissons tous, vous êtes 200. En 2 jours, on peut vous mettre tous sous les verrous et on n'entend plus parler de vous. Et ça a beaucoup fait rire Roujia en disant, ah bon, on est tant que ça. Cette anecdote montre à la fois la faiblesse de ce mouvement d'opposition.
je ne sais pas s'ils sont vraiment 200, 500 ou 1000, peu importe, mais par rapport à 1 milliard 400 millions, vous voyez bien ce que ça représente. Donc, c'est pas la dissidence qui va faire bouger la Chine, c'est l'implosion du Parti communiste chinois, parce qu'il peut pas y avoir autre chose, ce sera une implosion, ou ce que disait Vanessa tout à l'heure, un incident environnemental. On a craint énormément cet été pour un accident encore beaucoup plus grave qui aurait été l'explosion du barrage des Trois Gorges, parce qu'il y a eu des pluies diluviennes tout cet été, et une bonne partie des villes du Yangtze ont été inondées en allant de Chongqing, en descendant à Wuhan, en passant par toutes les villes entre les deux, ça a été catastrophique. Donc, on pense aussi que la récolte de céréales va être profondément handicapée par ces inondations terribles. Donc, on voit bien qu'il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent se poser le long de cette longue course de la Chine vers la suprématie du monde, et que c'est pas encore gagné pour elle. En revanche, ce qui est frappant, c'est que si on pense à l'Amérique, par exemple, puisque Donald Trump parlait toujours de « Make America Great Again » et on va ramener toutes les usines, les entreprises aux États-Unis, « America First », eh bien, il y a eu une enquête parmi les entrepreneurs américains en Chine. 92% ont dit qu'ils allaient rester en Chine. Hein, dans un climat d'Amérique de Trump, hein, où théoriquement, on ramène tout le monde à la maison et on laisse tomber les Chinois et les autres. Vous voyez, les entrepreneurs, eux, ne sont pas décidés à quitter la Chine. Ils disent, on y est depuis 15 ans, puis 20 ans, puis 25 ans. Ça marche bien, on gagne de l'argent, l'économie fonctionne. Donc, si on jette un regard très froid sur l'économie chinoise, qu'est-ce qu'on voit? Des dangers de tous les côtés. Mais en même temps, une résilience qui ne nous permet pas de dire que c'est l'économie qui va faire chuter le Parti communiste chinois, disons dans un avenir très proche. Hein. Quand je dis très proche, c'est dans les 2-3 ans à venir. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Oui. Grand merci à vous trois déjà pour cette première question assez énorme, assez générale. La deuxième sera beaucoup plus ciblée. Il s'agit des moyens que la Chine met en œuvre en matière de soft power, c'est-à-dire tout ce qui est stratégie de communication et d'information pour asseoir et affirmer sa puissance. On sait que l'année passée, Reporters sans frontières a publié un rapport très intéressant qui s'intitulait « Le nouvel ordre mondial des médias selon la Chine ». Et là, on voyait que c'était bien détaillé. La Chine investissait énormément d'argent pour améliorer son image, et notamment à travers les médias. Ils ont un groupe audiovisuel qui diffuse dans 140 pays. La Chine produit des émissions dans 65 langues en Afrique. Il y a plus de 500 instituts Confucius un peu partout dans le monde. Il y en avait en Belgique. Il y a eu le rachat de pleines pages de publi-reportage, le rachat de médias qui sont ciblés vers la diaspora chinoise qui, au bas mot, fait quand même 50 millions de personnes de Chinois hors de Chine. Donc il y a tout ce phénomène d'investissement massif. Ma question pour vous est-ce que vous pensez que ces investissements dans le monde de la communication font partie d'une stratégie bien pensée et est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que vous pensez que ce qu'ils font est de nature différente de ce que font les autres grandes puissances? Je prends typiquement les États-Unis ou la Russie qui sont aussi actives en la matière. Et est-ce que vous pensez que ça présente un certain danger? Est-ce qu'il y a péril en la demeure? Et pourquoi? Est-ce qu'il y aurait des moyens de se prémunir contre cela? Avec quels moyens? Sans diaboliser pour autant la Chine, parce qu'il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Donc, sur cette question de soft power de la Chine qui investit énormément, quel est votre sentiment, votre perception? Et je demanderai peut-être à Vanessa de commencer, parce que je crois qu'elle a aussi des contacts avec les instituts Confucius. Voilà. Vanessa? Oui. D'accord, oui, effectivement, la Belgique a aussi l'institut Confucius jusqu'à juin de cette année. Deux ont fermé, les deux de Bruxelles, de la VUB et de l'ULB.
Alors, je crois que ce qui est derrière ces instituts Confucius, mais aussi ces émissions télé, ces chaînes, etc., c'est en réalité une volonté de prendre de l'espace, de prendre du terrain. On constate que ça s'accompagne souvent d'une décrédibilisation des experts de la Chine formés en Occident, y compris des chercheurs chinois formés en Occident. Donc, il y a une volonté de vraiment imposer une vision, une voix, avec cette idée que si elle vient de Chine, elle est forcément authentique, elle est forcément crédible et véritable. Et donc, il y a une volonté d'information, qu'on peut appeler désinformation, si on veut, mais qui est une véritable guerre de communication, si vous voulez. Et ça s'exprime autant au niveau de l'information, disons, générale, populaire, donc la presse, la vérité, et ça s'exprime aussi dans le monde académique. Donc là, ce sont les instituts Confucius, notamment, qui s'installent dans les universités et qui, à terme, cherchent à intégrer les cursus ou à établir des cursus dans des universités qui n'en ont pas encore. Donc, cette occupation de l'espace, comment est-ce qu'on peut résoudre ça en laissant à chacun voix au chapitre? Après tout, la Chine a aussi le droit, ou l'État chinois en l'occurrence, a aussi le droit d'exprimer sa réalité. Eh bien, tout simplement, financer les études chinoises indépendantes, former des experts indépendants qui ne dépendent pas des bourses de l'Institut Confucius, qui ne dépendent pas de bourses du gouvernement chinois et qui peuvent surtout mener leur terrain en Chine en toute sécurité et en toute sérénité, si je puis dire, sans risquer de mettre à risque, par exemple, les personnes rencontrées sur place, interrogées, etc. Donc là, c'est là que le problème le plus grave, à mon sens, se pose. C'est pas tellement l'Institut Confucius qui donne des cours de calligraphie et qui va parler du Tibet comme d'une société harmonieuse, etc., parce que ce discours-là est assez grossier, alors il rentre dans le cerveau de pas mal de gens, mais bon, c'est pas le plus grave, il y a des contre-discours qui existent aussi. Heureusement, par contre, vraiment, on se retrouve de plus en plus dans la capacité de former des experts ici, chez nous, dans l'intérêt d'une appréhension, d'une compréhension de la Chine qui sortent des sentiers que l'État chinois essaye de battre pour nous. Donc, financer les études chinoises, former de plus en plus de spécialistes et surtout, là, c'est là le plus gros problème, accéder au terrain. C'est quelque chose qu'on devrait absolument pouvoir exiger. En tout cas, on devrait pouvoir exiger une réciprocité avec la Chine à ce niveau-là. C'est ça. Merci bien. Marie, tu peux aussi commenter cette question, s'il te plaît. Oui, d'abord, je crois qu'il faut poser la question du soft power, parce que je dirais que pendant une certaine période, disons de 2000 à 2013 à peu près, il y avait une tentative de soft power. Effectivement, il y a beaucoup d'argent qui a été investi, beaucoup de médias qui ont été créés, des magazines, des radios, des télés, etc. Mais il me semble que depuis l'arrivée de Xi Jinping, il n'y a plus de soft power. Xi Jinping s'exprime avec beaucoup de brutalité. Il n'essaye même plus d'enrober la pilule. Hein. C'est ça passe ou ça casse, quoi. Et donc, si on parle de soft power, il y a quelque chose de soft là. Hein. Je vais donner un exemple. Ce film-là sur la légende de Roi Mulan, qu'on appelle Mulan chez nous, maintenant c'est boycotté, Disney est mis au pilori parce que les scènes ont été tournées au Xinjiang et donc on dit vous avez filmé juste à côté des camps où sont mis en prison tous ces malheureux Ouïghours, est-ce que vous n'avez pas honte, etc. Mais est-ce que c'était du soft power? On sait maintenant que l'actrice principale, qui s'appelle Liu Yifei, a été pratiquement obligée, il faut savoir qu'elle est ressortissante de Hong Kong, de dire qu'elle soutenait la nouvelle loi chinoise sur la sécurité publique à Hong Kong, parce que sinon elle n'aurait pas eu son rôle.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous ces acteurs qui sont obligés de transmettre la vision chinoise du monde agissent aussi sous la pression. C'est-à-dire qu'une actrice, évidemment, elle veut jouer. Et si elle veut jouer, bon, ben, elle est prête à dire des phrases qui vont lui permettre d'entrer dans ce milieu très fermé et très prestigieux, bien sûr, des médias, du cinéma, de la chanson, etc. On a énormément d'exemples de chanteurs, en particulier chinois, qui ont été humiliés parce qu'ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas humilier publiquement, agressivement. Donc, quand vous parlez de soft power, franchement, je ne vois plus de soft power maintenant. On est dans le hard power. Ok, merci bien. Et Stein, ton avis sur cette question de la présence de la Chine dans le monde des médias, de la communication ou de l'enseignement à travers les instituts Confucius? Oui, alors peut-être moi je parlais encore un peu sur ce qu'on appelle le « sharp power ». Alors moi aussi le « soft power », oui peut-être ça n'exprime pas trop ce qui s'est en train de passer. Alors, le sharp power, c'est un autre concept qui est utilisé maintenant justement pour désigner comment la Chine utilise l'ouverture, la presse libre, liberté académique et tout ça dans des autres pays pour ses propres fins et pour justement faire en sorte qu'il y a une influence chinoise qui se lance dans le tout. Et alors on pense à la presse, on pense à l'éducation aussi. Alors je pense comment réagir sur cela, comment faire en sorte que on peut se protéger contre cela. Alors, c'est important de rester des sociétés ouvertes et de ne pas dire « Ok, on va justement se fermer » puisque comme ça, la Chine, elle a gagné aussi et puis tout le monde va devenir comme la Chine, quoi. C'est justement faire en sorte que on est conscient de ce qui se passe et qu'on cherche à faire en sorte que… on a une sorte d'innovation où on pense à des façons à réagir qui ne sont pas justement blanc ou noir, fermé ou ouvert. Alors, en ce qui concerne la presse, je pense aussi aux journalistes australiens qui justement, il y a quelques jours, sont jetés de la Chine. Avant, il y avait aussi les journalistes américains justement. Et puis, comme cela, on voit aussi comment la Chine elle-même ne permet plus de l'autre presse de justement regarder ce qui se passe, tandis que chez nous, il y a encore plein de presse chinoise qui donne leur récit. Et ça serait peut-être une idée de faire en sorte qu'il n'y a plus de level playing field là-dedans. Alors, je pense que maintenant, l'Union européenne parle beaucoup là-dessus en ce qui concerne les entreprises. Alors, ils sont en train de faire un accord des investissements avec la Chine, avec le but que les entreprises européennes ont des chances comme les entreprises chinoises l'ont en Europe. Alors, c'est justement aussi faire en sorte que on dit à la Chine, quand même, il faut y avoir une sorte de level playing field. Il faut faire en sorte que, on vous accueille avec la presse. Alors, il doit y avoir une sorte de responsabilité de votre part aussi. Alors, c'est quelque chose, c'est peut-être naïf de le dire comme ça, mais je pense que c'est important de conduire ces conversations en même temps qu'on a les discussions sur le commerce et puis de les coupler aussi plus. Alors maintenant, il y a un peu le réflexe de dire oui, commerce et commerce et puis les autres trucs, on en parle dans un dialogue, je sais pas quoi. Mais c'est justement aussi utiliser les leviers qu'on a et puis faire en sorte que la Chine sait. D'autant que concernant les droits humains et puis ouverture des sociétés, c'est quelque chose qui est au centre de la position européenne. Ok, merci beaucoup. Il y en aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur cet aspect économique.
Mais je retiens ce que je pense être effectivement un point clé, c'est cette réciprocité dans les différents niveaux dans nos relations avec la Chine. Troisième thème, et ici on s'oriente évidemment un peu plus directement vers des questions de droits humains, donc des questions qui sont liées au cœur du travail d'Amnesty International, c'est la question de la menace que fait peser la Chine sur, menace potentielle, ça c'est la question, sur l'universalité des droits humains. On a l'impression, il y en a différents indices ces dernières années, sur le fait que la Chine, pour éviter d'être mise en cause au niveau international, parce qu'elle-même bafoue assez largement un grand nombre de droits humains, on a l'impression que le gouvernement chinois essaie dans les institutions internationales de diminuer l'importance du droit international, des institutions internationales. Typiquement, les autorités chinoises refusent toute espèce d'enquête chez eux sous prétexte d'ingérence et de souveraineté nationale. Donc, ils semblent remettre en cause certains principes fondamentaux du droit, des droits humains internationaux. Et comme c'est un acteur de plus en plus important, on pourrait s'en inquiéter. Ils sont aussi en train d'affirmer, et ça très, très ouvertement, que ben, il n'y a pas des droits humains universaux, il y a chaque pays qui a le droit et la possibilité de trouver sa propre voie. Ils disent notre voie, c'est les droits économiques et sociaux, les droits individuels, civils et politiques, ça viendra peut-être après, c'est moins important, parce que pour nous, c'est l'harmonie de la société dans son ensemble qui compte. Donc, ils défendent très ouvertement ce genre d'idée qui n'est pas compatible avec l'esprit fondamental des droits humains qui sont universaux et indivisibles. Donc, on a l'impression qu'il y a là un enjeu important et il y a la Chine qui propose à l'ONU, à Genève, parfois des choses ou qui semblent inquiétantes à cet égard. Ma question vers vous, c'est est-ce que vous pensez que ce risque que j'évoque sur la pérennité du droit international pour les droits humains, est-ce qu'il est réel, il est croissant ou bien il est fabulé? Est-ce que c'est un vrai risque ou non? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment est-ce qu'on peut contrer cette approche de la Chine qui manœuvre, je trouve, très habilement pour essayer de défendre son point de vue, bien entendu? On a un peu cette question donc, sur les menaces de l'université des droits humains posées par la Chine. Je demanderai cette fois à Marie peut-être de commencer à intervenir sur la question. D'accord, je veux bien. Marie. Je me demande de commencer parce que je sais que je suis la plus véhémente peut-être. Effectivement, j'ai envie d'être véhémente parce que quand Philippe dit qu'il y a des droits économiques et sociaux, je dis non. À partir du moment où il n'y a pas de droits tout court, il n'y a pas plus de droits économiques, sociaux, politiques, tout ce que tu veux, hein, il n'y a pas de droits. Par exemple, un grand nombre maintenant des plus grands milliardaires de Chine se trouvent ou bien en prison ou bien suicidés. Alors certains se sont suicidés tout seuls parce qu'ils savaient qu'ils allaient être arrêtés et peut-être condamnés à mort, Dieu sait. Mais en général, ça s'est produit dans un contexte qui était hors de toute loi. C'est ça qui est très, très inquiétant. Donc, moi, j'entends très difficilement la phrase qu'il y aurait eu des progrès ou des ouvertures dans les droits économiques et sociaux. Quels sont les droits, par exemple, des Ouïghours qui sont maintenant par 1 million, peut-être plus, peut-être moins, incarcérés pour des camps de rééducation, comme on dit. Quels sont les droits des paysans qu'on jette de leurs terres? Quels sont les droits des ouvriers qui sont obligés aussi de rentrer au village quand il n'y a plus de travail pour eux et on ne leur demande pas leur avis, etc., etc. Et puis, là où je serais aussi en désaccord avec Philippe, c'est qu'il ne faut pas parler de la Chine, il faut parler du Parti communiste chinois. C'est lui qui prend les décisions aujourd'hui, c'est pas le peuple chinois. Donc à partir du moment où on dit le Parti communiste chinois affirme son point de vue et se déclare ouvertement contre les valeurs universelles, là je suis d'accord. Ce n'est pas la Chine qui se prononce contre les valeurs universelles, parce que là on sait que, bon, on peut pas dire de statistiques, j'ai aucune idée du pourcentage, mais on sait qu'un très grand nombre de gens qui ont un sens moral, un sens éthique,
et un très grand nombre d'intellectuels, de dissidents, d'opposants sont à 100, à 200% pour les valeurs universelles et que beaucoup m'ont dit pourquoi est-ce que je me bats? C'est parce que je ne veux pas que mes enfants grandissent dans le pays où je vis aujourd'hui. Et puis, il y a un autre signe qui est quand même très, très, très parlant. Regardez tous les hauts dirigeants chinois. Regardez tous les milliardaires chinois. Où sont leurs enfants? Ils n'ont plus d'enfants en Chine. La fille de Xi Jinping est partie faire ses études. Elle voulait pas rentrer en Chine. Après, il y a eu des rumeurs comme quoi son père l'a obligée à rentrer. Et maintenant, il y a des rumeurs comme quoi elle est repartie. Bon, comme elle voyage sous un faux nom, je ne peux pas dire que je sais où elle est. Mais vous voyez que même la fille de Xi Jinping, ça pose problème. Même elle choisit avec ses pieds, ou semble choisir avec ses pieds. Bon, dans son cas, n'en parlons pas, c'est un cas trop particulier. Mais tous les autres grands dirigeants, tous les grands millionnaires font éduquer leurs enfants aux États-Unis. Ça me semble quand même quelque chose de très éloquent. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il n'y a pas de sécurité en Chine. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on sait qu'on ne peut pas se défendre. On voit bien, regardez, les grandes gueules, hein, les Xu Zhangrun, les Ren Zhejiang, tous ces gens qui ont osé dire à Xi Jinping qu'il fallait absolument qu'il démissionne, qu'on ne pouvait plus le supporter, ben, ces gens-là sont immédiatement ou arrêtés ou accusés de choses invraisemblables. On a accusé certains d'aller fréquenter les putes ou je sais pas quoi. Ça n'a plus rien à voir avec du droit. On est maintenant dans une dictature totalitaire qui devient très violente et potentiellement très dangereuse pour le monde. Moi, je n'hésiterai pas à le dire carrément. Ça va, merci bien. Stein, s'il te plaît, sur la même question, que penses-tu? Oui, d'accord, merci. Alors, moi aussi, je suis tout d'accord avec Madame Holtzmann quand elle dit, oui, c'est le Parti communiste, c'est pas les peuples chinois qui sont contre l'universalité des droits de l'homme, mais c'est important aussi pour réagir contre ces actions du Parti communiste. C'est important d'avoir aussi ou de rester en contact avec le peuple chinois, justement, et puis de faire en sorte qu'on ne fait pas cette assimilation des deux, justement, puisque le Parti communiste ne représente pas le peuple chinois. Alors, pour revenir un peu sur cette question, universalité des droits de l'homme, et puisque, est-ce qu'il y a un risque ou pas, est-ce qu'il est réel, croissant, que la Chine va aller en contre et veut aussi remodeler justement le système qu'on connaît maintenant? Alors, le risque est tout à fait réel et croissant. En fait, avec Amnesty Pays-Bas, on a justement fait virer, on a sorti un livre là-dessus avec 12 experts qui ont contribué avec des essais qui vont justement sur cette diplomatie des droits de l'homme, comment la Chine est en train de changer ce qu'on connaît comme les droits de l'homme. Là, il est Shifting Power, Human Rights Diplomacy. On peut le télécharger gratuitement sur le site. Alors là, il y a plein d'exemples justement qui démontrent comment la Chine est en train de le faire. Peut-être le plus évident, c'est au sein des États-Unis et au sein du Conseil des droits de l'homme. Alors justement, le 30 juin, le Royaume-Uni a dirigé un groupe de 27 pays au sein du Conseil des droits de l'homme critiquant la nouvelle loi sécurité nationale à Hong Kong. Alors c'était quand même une réponse assez forte. Et puis en réponse, Cuba a présenté une déclaration conjointe au nom de 53 pays soutenant la législation. Et puis, le ministère des Affaires étrangères de Pékin a dit que quelques jours plus tard, il y avait plus de 70 pays qui avaient offert leur soutien. Alors, on voit comment la Chine est de plus en plus habile à, utiliser le Conseil des droits de l'homme contre lui-même. Et puis, s'il y a des pays qui disent quelque chose, alors la Chine va organiser les autres.
Même chose s'est passé l'été dernier avec des pays qui sont prononcés contre les violations des droits de l'homme au Xinjiang avec les Ouïghours, les autres minorités ethniques. Alors là, la Chine a fait la même chose, organisé un plus grand groupe de pays qui a dit la Chine c'est super, elle fait super contre le terrorisme, etc. Et alors, on voit que, oui, là, dans les institutions elles-mêmes, la Chine veut justement faire en sorte que de plus en plus de pays supportent cette vision qu'elle a, une vision qui est aussi liée au, oui, le fait que pour la Chine, les droits collectifs sont plus importants que les droits individuels. Elle gonfle des concepts comme sécurité nationale, terrorisme et tout ça pour dire justement oui, c'est plus important d'avoir la sécurité de tout un pays que les droits civils ou politiques de quelques-uns. Alors, on voit que c'est quand même susceptible d'être accepté par des autres pays. Il y a une partie qui sont aussi des autocraties et qui justement ne veulent pas être dénoncées sur leur propre violation des droits de l'homme. Il y a un bon autre groupe qui justement est économiquement dépendant de la Chine ou justement qui veulent plaire à la Chine. La Chine fait aussi une diplomatie très active d'intimidation, parfois aussi de blackmail économique, justement pour avoir ses votes au sein des Nations Unies. À part de tout cela, on voit aussi que la Chine est en train de construire des institutions alternatives, des concepts alternatifs. Je pense par exemple au South-South Forum on Human Rights. Ça se tient toutes les années. Il y a aussi une déclaration South-South sur les droits humains. Ici, la Chine se présente comme leader des pays en développement et se présente comme un leader qui exprime une vision de tout le Global South sur les droits humains qui diffère de la définition qu'on a. Alors, c'est cette définition que c'est plus important d'avoir le droit de la collective que les droits individuels. C'est un rhétorique qu'on voit aussi beaucoup avec Covid. La Chine proclame justement, oui, pour nous, c'est la santé, le droit collectif qui est le plus important. On est super. Ce modèle, il est vraiment efficace. Alors ça, c'est le futur. Et puis, OK, on voit justement maintenant que, oui, c'est tout à fait réel, c'est tout à fait croissant, ce danger justement pour les droits de l'homme comme on les connaît aujourd'hui, le système comme on le connaît aujourd'hui. Justement, il y a quelques jours, il y a Amnesty aussi au sein du Conseil des Nations Unies qui a appelé à avoir un mécanisme au sein de l'ONU qui peut justement regarder de plus proche cette tactique, mais aussi ce danger qui est présenté par la Chine qui s'en fout des autres pays qui disent quelque chose sur les violations des droits de l'homme et qui essaye justement aussi de manipuler les institutions au sein des ONU. C'est pas que Amnesty qui l'a demandé. En fait, auparavant, c'était aussi en juin, il y avait 50 experts de l'ONU eux-mêmes qui ont demandé la même chose. Il faut avoir un mécanisme précis, spécifique pour la Chine, puisque si on ne fait pas quelque chose maintenant, ça va devenir trop tard pour faire quelque chose. Vanessa, de ton côté, que penses-tu de cette question? Droits humains, menace sur l'universalité des droits humains? Oui. Rapidement, parce que le temps passe inexorablement. Ajouter à ce que ont déjà dit Marie et Stein, ils ont déjà dit beaucoup de choses, mais effectivement, une stratégie de la Chine, c'est de balayer toute critique de la main en utilisant cette excuse de la non-interférence pour tout ce qui est affaire interne. Je suis aussi d'accord sur le fait que le Parti communiste chinois est en fait un parti de truands, je crois qu'on peut le dire. C'est vraiment des actions de mafia à tous les étages d'ailleurs du parti.
parce que le parti lui-même est aussi complexe, il faut le souligner, il y a des niveaux extrêmement différents. Moi, je voudrais simplement ajouter qu'effectivement, cette volonté de mettre en place en quelque sorte des nouvelles normes, comme l'évoquait Steyn avec tous ces forums sud-sud, là où le Parti communiste est très fort, c'est d'arriver à la fois tenir un discours sur lui-même comme une grande puissance économique et comme le leader de pays en développement. Donc voilà, ça va avec un discours sur le déclin de la démocratie. Et ça, c'est un discours qui existe chez nous aussi. Et donc, il faut aussi se placer un peu, prendre un peu de recul par rapport à la Chine. Il y a un désengagement très fort de la part de l'Occident, des États-Unis en particulier récemment à l'OMS. Et quand on prend du recul comme ça, on laisse du terrain à la Chine. Et donc, on sait très bien que le Parti communiste chinois a financé et continuera de financer non seulement des institutions internationales sur lesquelles il essaye d'agir de l'intérieur en révisant les normes, mais aussi d'investir auprès des pays dont il sait qu'ils vont le soutenir. Et ces pays, ce sont, comme le disait Steyn, aussi des États dictatoriaux, aussi des États non démocratiques ou illibéraux. Et donc, ces États sont extrêmement nombreux et ça doit aussi nous inquiéter quand on a 27 lettres pour soutenir des droits humains et qu'on en a 53 pour soutenir la Chine. Je crois qu'il faut vraiment se poser la question de ce discours dont la Chine se fait le leader, qui tient à dire que les démocraties sont en déclin et les nouvelles valeurs de demain sont celles de la Chine en l'occurrence. Une dernière chose, c'est que la question de l'universalité est aussi très chinoise. Les chercheurs et les penseurs chinois dans les années fin des années 90, début des années 2000 ont remis au goût du jour des concepts universalisants très forts, notamment cette notion de Tianxia qui veut dire le monde, en fait tout ce qui se trouve sous le ciel. Et donc ce sont des notions qui visent à créer une version universelle de la façon dont le monde devrait être dirigé. Et au centre de cette version universelle, bien sûr, on trouve la Chine. Donc, il y a une bataille, si vous voulez, des universalités. Ce n'est pas juste remettre en question l'universalité des droits humains tels qu'ils sont définis par l'Occident, mais c'est aussi la volonté d'imposer une vision, disons, de droits humains aux caractéristiques chinoises, comme on l'entend souvent. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Mon avant-dernière question, elle est de nouveau très vaste, désolé, il faudrait être bref malgré tout. C'est la question du lien entre économie et droits humains. Je vois deux volets à cela. Il y a d'une part le niveau des États. On voit que certains États, comme les États-Unis, pour des questions politiques et stratégiques, commencent à voter des lois qui sont des sanctions contre des personnes, des sociétés impliquées dans des graves violations des droits humains. On a eu ça avec le Uyghur Act ou encore en lien avec la question de Hong Kong. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que des organisations telles que Amnesty International devraient faire pression sur nos pays pour justement promouvoir ce genre d'attitude de nos pays, de l'Union européenne, typiquement contre la Chine, pour essayer d'arriver à ce level playing field? On dit on veut bien des échanges économiques, ma condition qui est des respects des droits humains. On le dit bien sûr, mais on ne le pratique pas. On sait que le dialogue Union européenne-Chine en matière de droits humains n'a rien donné jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que nous devons inciter l'Union européenne typiquement à y aller beaucoup plus fort en la matière, ou bien est-ce que c'est un mauvais calcul, un calcul dangereux parce qu'il y a une possibilité de récupération politique, trop schématique, ce serait trop mieux. Les deux, c'est au niveau des entreprises, que ce soit des entreprises occidentales ou au niveau d'entreprises chinoises, et on sait qu'il y a dans le monde globalisé de plus en plus de liens entre toutes les grosses entreprises, avec sa chaîne de sous-traitance. On sait qu'on essaie de faire progresser au niveau des Nations Unies la notion de responsabilité sociale des entreprises, et donc elles doivent se préoccuper des droits humains, de leur impact en matière de droits humains au sens très large.
entendu. Et on voit notamment pour la question des Ouïghours récemment apparaître des appels carrément à boycott de certaines entreprises occidentales qui travailleraient avec des sociétés oxiniennes qui seraient mêlées au travail forcé d'Ouïghours, etc. Ce fameux thème du boycott devient très, très présent, très actuel. Quel est votre sentiment à cet égard? Est-ce que vous pensez que ça peut être une arme intelligente, efficace, utile ou bien hors de propos? Donc, ma question en deux volets, au niveau de pression sur nos pays ou l'Union européenne et au niveau de nos pressions en tant qu'organisation de droits humains ou en tant que consommateur vis-à-vis d'entreprises qui seraient mêlées à des violations des droits humains très indirectement, et on sait que c'est très complexe à objectiver parfois. Voilà, je propose à Stein de répondre, et j'insiste pour que vous soyez bref parce qu'il y a encore une dernière question et les questions de nos participants. Alors, Stein. Oui. Alors, je pense que, en gros, oui, je l'ai déjà dit auparavant aussi. À cet instant, c'est important pour l'Europe pour se réaliser plus explicitement ce que sont ses valeurs et quelle importance elle doit au maintien du système international des droits de l'homme comme il existe aujourd'hui. Et comme je disais, maintenant, il est vraiment en danger. Alors, c'est le moment pour se poser ces questions et puis de mettre ces valeurs en avant au sein de ces relations aussi économique avec la Chine. Et alors, le mainstreaming des droits humains, pour moi, c'est encore très important. Oui, je l'ai dit auparavant aussi déjà, il y a maintenant cet accord des investissements qui est en train d'être négocié entre l'UE et la Chine, level playing field, entreprise, tout ça. Alors, je pense qu'il faut aussi penser à un level playing field pour la liberté de presse, level playing field pour des autres aspects comme les ONG. Alors, les ONG chinoises sont ici en Europe. Maintenant, ONG internationales, c'est presque impossible de bouger en Chine. Et alors, je pense que c'est le moment de discuter au sein de ces relations économiques, surtout maintenant, puisque okay, la Chine a besoin de l'Européen. De temps en temps, oui, on pense toujours qu'il y a la grande Chine, on est trop petit, tout ça. Alors maintenant, il y avait la visite de Wang Yi, le ministère des Affaires étrangères, qui était en Europe. C'est très clair que la Chine veut nouer de nouveau des relations avec l'Europe. Alors pour ça, je pense que c'est important insister aussi sur ces aspects droits humains dans les négociations. Quand il concerne les entreprises, oui, due diligence, c'est très important. Il y a des évolutions. Alors maintenant, commissaire européenne à la justice, Didier Reynders, il a annoncé qu'on travaille sur une législation en Europe en 2021 pour rendre obligatoire la human rights due diligence. Alors, je pense que c'est très important. L'UE est en train de développer aussi une loi Magnitsky européenne qui pourrait justement offrir des sanctions à des gens comme Chen Chuanguo, qui est très responsable à ce qui se passe maintenant au Xinjiang et avec les Ouïghours. Alors, ce sont des développements qui montrent justement qu'on est en train de penser sur cela, qu'on veut responsabiliser les entreprises. Mais comme tu disais toi-même aussi auparavant, ça dépend aussi des consommateurs. Alors, ce sont nous qui doivent dire, nous, on veut acheter justement des trucs qui sont propres, pas des droits humains. Il faut aussi changer notre consommation sur ce plan-là. Et alors, c'est pas que okay, les entreprises ou la politique, alors c'est un effort qu'on doit faire en tout. Merci. Vanessa, ton avis sur ces questions de boycott d'entreprises et d'action au niveau de l'Union européenne? Alors, je décourage pas du tout le boycott de certaines entreprises par les individus. Par contre, je ne crois pas que ce soit un levier unique. Chacun en son âme et conscience. En revanche, effectivement, baliser ce que les entreprises européennes ou américaines ou
peuvent faire et ne doivent pas faire au niveau légal, et notamment la nécessité pour ces entreprises de mener des enquêtes sur les filières de coton dont on soupçonne qu'il vient essentiellement de cette région ouïghour où on soupçonne fortement le travail forcé de centaines de milliers. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que cette division entre le commerce et les droits humains, ou entre l'économie et les droits humains, c'est un vrai problème. La Chine utilise son marché intérieur aussi, de plusieurs, évidemment, centaines de millions, et a réussi en quelque sorte à avancer dans cette bataille de la communication au niveau des droits humains, en disant le commerce c'est le commerce, l'économie c'est l'économie, les droits humains c'est les droits humains. Or, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Je crois que oui, des associations comme Amnesty ou d'autres doivent effectivement porter à l'attention de nos gouvernements et de l'Union européenne la nécessité de repenser ensemble l'économie et les droits fondamentaux. Ça me semble tout à fait évident. Voilà, je fais court. Hein. Oui, c'est gentil. Et Marie, aussi court, s'il te plaît. Bon, je vais essayer de faire aussi court. Je voudrais juste noter que le PDG d'une des structures de Siemens a fait une déclaration, je crois, aujourd'hui ou hier, en disant qu'il n'était pas question que Siemens reste en Chine si il était avéré qu'il y avait des violations des droits de l'homme qui se pratiquaient dans les usines où Siemens fait travailler des ouvriers chinois par milliers. Siemens est en Chine depuis 140 ans, donc c'est un vieil habitué de la Chine. Donc ça, c'est une bonne chose, et je pense que Siemens s'est senti obligé de réagir face à l'opinion publique. Maintenant, c'est à l'opinion publique de demander des comptes à Siemens. Et là, c'est le rôle du citoyen ordinaire, parce que sinon, évidemment, Siemens va continuer à travailler tranquillement à l'abri des regards. Donc là, c'est la démarche personnelle. Je voudrais citer aussi une remarque de Ai Weiwei, qui est quelqu'un qui rue constamment dans les brancards, et qui disait, en gros comme ça à peu près, hein, « Vous me faites rigoler avec vos histoires de sanctions, la Chine est résiliente, même si vous faites un boycott total pendant 10 ans, elle tiendra le coup, les Chinois savent se serrer la ceinture, le problème n'est pas là, le problème c'est de proposer un contre-modèle et de montrer un monde développé, un monde démocratique, un monde moderne, disons, qui se montre aussi humanitaire. Je crois que Ai Weiwei a été très blessé par la situation des migrants qui meurent en Méditerranée, à juste titre, et qu'il nous envoie un miroir qui est malheureusement assez peu flatteur. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur les droits de l'homme si vous n'arrivez pas à éviter la noyade des migrants en mer Méditerranée? Et je crois qu'il a raison. Je crois qu'il faut que nous apportions une forme de modèle enviable, et que cela pourrait faire bouger les Chinois. Sans doute pas le Parti communiste chinois, mais les Chinois. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en 2022, il y a en principe les JO d'hiver qui vont se passer en Chine. Là, je pense qu'il faut sérieusement appeler au boycott. On ne peut pas laisser des JO s'organiser à nouveau en Chine, alors que la question des droits de l'homme est aussi cruciale en ce moment, non seulement pour les Ouïghours, mais évidemment pour les Tibétains, et maintenant même pour les Mongols, auxquels on interdit de parler leur propre langue. Oui. Merci bien. Voilà, je passe à la dernière question. Qui nous touche plus directement, puisqu'elle a trait à l'influence de la Chine sur la liberté d'expression chez nous. Je ne vais pas le détailler parce que tout le monde voit passer ces informations dans la presse, mais on voit que la Chine essaie de contrôler sa diaspora de différentes manières, qu'elle fait pression sur nos médias. On a eu récemment une lettre de l'ambassadeur de Chine qui a accusé un journaliste de la Libre Belgique, M. Elam Falussi, de rédiger un reportage comme mieux, soi-disant, sur les étudiants chinois en Belgique, en rapport avec l'enquête ou le rapport de la Sûreté nationale. Il y a le lobbying qui se passe sur des représentants politiques. Il y a des pressions sous forme de chantage économique, on l'évoquait tout à l'heure, sur des entreprises dont des collaborateurs auraient émis des avis un temps un peu critiques sur la Chine.
Est-ce que tout ça, d'après vous, est à prendre au sérieux en termes de risque sur notre propre liberté d'expression chez nous? Est-ce que c'est un phénomène qui s'aggrave, ou bien c'est simplement le fait qu'on en parle plus, qu'on y est plus attentif? Est-ce qu'il y a des limites possibles à cette Chine qui semble de moins en moins inhibée pour imposer des choses, qui se montrent de plus en plus assertives, voire parfois agressives, et comment réagir efficacement face à cela, d'après vous? Vanessa, peut-être, très brièvement, toujours. Oui. Alors, recevoir plutôt des lettres de l'ambassade de Chine, ça arrive à peu près à toutes les universités, à tous les journalistes et à toute personne qui, en son âme et conscience, fait une critique de la Chine structurée. Donc, nous aussi, à l'ULB, on a reçu notre petite lettre, on la reçoit régulièrement en nous demandant d'arrêter de répandre des mensonges. Mes collègues journalistes reçoivent le même genre de lettres, etc. C'est de l'intimidation. Est-ce que c'est à prendre au sérieux? Non. Qu'est-ce que ça change? On lit la lettre, on rigole, et puis voilà. Ça devient problématique quand ça vous censure, quand votre supérieur vous dit « il faudrait peut-être arrêter d'écrire des choses comme ça, tu comprends, la Chine met des publicités à des tarifs assez élevés dans notre journal, tu sais, on a des intérêts avec un centre de recherche en médecine, ça compromet ses recherches si tu dis des choses un peu trop fort, etc. » Donc là, la réaction, c'est à nous de l'avoir, d'avoir la bonne réaction, qui est de dire, on est ici dans un pays où la liberté d'expression est un des droits fondamentaux, et on ne devrait pas laisser au Parti communiste chinois des leviers sur nos académiques, sur nos experts, nos journalistes, etc. Moi, ce qui m'inquiète le plus, en réalité, c'est les menaces qui pèsent sur les citoyens aujourd'hui en Europe, notamment sur les citoyens ouïghours, mais aussi sur les citoyens qui ont un passeport chinois ici en Europe ou qui ont eu un passeport chinois et qui sont désormais citoyens européens et qui reçoivent très régulièrement des menaces de la part de la sécurité chinoise, des menaces qui pèsent sur leur famille qui est restée là-bas. Mais des menaces qui pèsent aussi sur eux-mêmes. Alors, ça peut être du chantage affectif, on va mettre votre mère dans un camp où votre sœur ne pourra pas rentrer dans l'université qu'elle aimerait fréquenter. Donc il y a des menaces comme ça. Mais il y a aussi des menaces directement sur les personnes chez nous, sur notre territoire. Et là, il y a une interférence de l'État chinois qui menacent la sécurité de citoyens en Belgique, en France, en Allemagne, etc. etc. Ça, c'est vraiment extrêmement problématique. Et toutes les personnes qui élèvent la voix par rapport à des politiques chinoises a connu ça, a connu des menaces directes, a connu ici en Europe. Et ça, c'est vraiment pas normal et c'est vraiment quelque chose qu'il faut rapporter. Et qu'il faut pouvoir résoudre en prenant des positions fortes par rapport à la Chine qui, ici, est en Europe. Voilà. Merci beaucoup. Marie, quelle est ton expérience ou ton sentiment sur cette menace chez nous, en Europe, en France? Oui, je partage tout à fait l'avis de Vanessa. Dans le cas des Ouïghours, la situation est extrêmement difficile maintenant parce que les Ouïghours ont naturellement un passeport chinois, ils viennent de Chine, et lorsque leur passeport doit être renouvelé, l'ambassade de Chine leur dit « vous ne pouvez pas renouveler votre passeport ici », alors que les autres Chinois, les Chinois Han, le peuvent, donc déjà il y a une discrimination insupportable, ce sont aussi des citoyens chinois. Donc, eux n'ont pas le droit de renouveler ici à Paris, ils doivent aller en Chine et ils savent très bien que s'ils retournent au Xinjiang, ils vont être arrêtés parce que une très grande partie des Ouïghours qui rentrent au Xinjiang sont mis en prison. Donc, ils restent en France et ils se retrouvent en grande difficulté parce que n'ayant plus des papiers d'origine en règle, ils peuvent pas renouveler leur carte de séjour. Et c'est un moyen extrêmement machiavélique de les faire, en quelque sorte, sécher sur pied. Alors, les organisations qui les défendent ici à Paris essayent d'obtenir
des passe-droits pour les Ouïghours qui sont dans une situation aussi complexe. Mais maintenant, ça s'applique à un peu tout le monde. Si des Chinois ne retournent pas chez eux de temps en temps, ils risquent de perdre leur roukou. Alors le roukou, c'est un peu, disons, c'est comme le numéro de sécurité sociale pour nous. Ça veut dire que s'ils se manifestent pas en Chine, ils vont perdre leur droit à la retraite. Ça peut être dramatique pour certains. Il y a des vieux Chinois qui sont en exil parce que bon, ils ont choisi, mais qui ont travaillé pendant 20 ou 30 ans en Chine et on leur dit, ah bah, tu reviens pas, t'as plus ta retraite. Enfin, etc., etc. Donc, il y a des pressions qui s'exercent partout. Mais j'aimerais évoquer un souvenir. En ce moment, on a une sinologue française qui est menée devant les tribunaux parce qu'elle a accusé Huawei d'être un instrument du pouvoir chinois. Donc, elle est poursuivie. Je voudrais rappeler le cas de la Far Eastern Economic Review qui a été poursuivie sans relâche par Lee Kuan Yew, autrefois de Singapour. La Far Eastern était basée à Hong Kong et il y a eu une espèce de collaboration, je crois, entre le pouvoir chinois et le pouvoir de Singapour qui ont empêché les entreprises de mettre des publicités dans la Far Eastern Economic Review, qui a résisté pendant 2 ou 3 ans vaillamment. Et finalement, ils ont été asséchés, ils ont dû fermer leurs portes. Mais on a vu la même chose ici avec Nouvelles d'Europe, parce qu'on a Europe Journal et puis Nouvelle d'Europe, l'un était Pékin, l'autre était Taïwan. Même chose, il y a eu un étranglement avec les publicités et le Nouvelle d'Europe qui était de Taïwan a dû fermer ses portes parce qu'il y avait plus d'argent, quoi. Donc la Chine utilise vraiment toutes sortes de méthodes pour faire passer son point de vue et mettre en difficulté les ressortissants chinois qui vivent à l'étranger. Merci bien. Astein, pour terminer en 2 minutes, parce qu'on a quand même quelques questions, mais j'en profite pour cibler, parce qu'il y a une question qu'on a reçue d'Aurélie Laure sur Facebook qui dit « Considérez-vous que les réfugiés originaires de Chine en Belgique sont en sécurité aujourd'hui ?» Alors, elle évoque le fait que, par exemple, des réfugiés en France déclaraient avoir reçu des paquets perçus comme venant d'autorités chinoises et comme des menaces sur leurs proches restés en Chine. Donc, c'est vraiment une question très concrète parce que nous côtoyons des Chinois ici. Est-ce que finalement, ils sont encore en sécurité ici ou pas? Oui. Alors, je pense que Marie et Vanessa l'ont déjà évoqué. Il y a un très grand contrôle de la diaspora avec des intimidations, avec justement de l'harassement de tout... qui fait en sorte que la sécurité est en danger. Alors, avec Amnesty, on a écrit un rapport là-dessus qui s'appelle « Nowhere Feels Safe », c'est en février de cette année-ci. Et puis, pour ce rapport, comme moi, je travaille aux Pays-Bas, on a interviewé presque 50, surtout des Ouïghours qui habitent aux Pays-Bas. Et puis, alors, il y avait avec presque tout, il y avait des téléphones super bizarres, il y avait de temps en temps des téléphones de leur famille avec des polices à côté qui ont dit « il faut arrêter ce que tu fais de parler sur la Chine puisque sinon on va disparaître dans un camp » et tout ça. Alors c'est assez grave justement. Et alors, c'est aussi une question pour la politique ici en Europe. Comment est-ce qu'on peut le résoudre? En fait, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de Ouïghours qui l'ont rapporté à la police. Mais la semaine passée, justement, il y a le prosecutor qui a dit on peut pas ouvrir un cas puisque ces intimidations viennent de la Chine et puis on n'a pas de coopération avec la Chine là-dessus. Alors, c'est super difficile de faire un procès là-dessus. Alors, ce qui dit, oui, c'est difficile de résoudre, mais il y a quand même un problème. Alors, il faut chercher justement comment le résoudre. Alors, c'est un grand problème. Je pense, oui, il y a plusieurs pas qu'on peut prendre. Penser à un mécanisme, puisque la Chine n'est pas le seul pays à le faire. Il y a aussi d'autres pays, oui, des pays
Burundi, par exemple, des autres qui le font aussi. Alors, de penser à un mécanisme, comment protéger ses propres citoyens contre des autres États. De l'autre côté, oui, je pense qu'on peut aussi commencer très, très simplement, justement par exhiber, exposer ces valeurs ou montrer ces valeurs plus fortement à la Chine, dire plus fortement, oui, pour nous, ceci, c'est important. Et puis, je reviens à la visite de Wang Yi il y a quelques semaines en Europe. Il est aussi venu aux Pays-Bas. Alors, ce qui était surprenant, c'est que le ministère des Affaires étrangères hollandaise n'a pas voulu dire quand il vient, où il va venir. Il n'y avait pas de conférence de presse. Alors, c'est vraiment en secret, probablement puisque Wang Yi avait demandé, je ne veux pas de démonstration ou je ne sais pas quoi. Alors, ils l'ont fait comme ça, la presse ne savait même pas. Alors, ça, c'est super problématique puisque ça montre à la Chine, OK, si on demande quelque chose, OK, vous allez le faire puisque vous voulez parler avec nous, avec le commerce. Alors, c'est comme ça qu'on dit justement à la Chine, oui, vous êtes une exception. Alors, je pense qu'il faut vraiment se faire en sorte et vraiment comprendre que si on ne tient pas à ses propres valeurs, si on n'en montre pas de manière cohérente, alors, la Chine, oui, elle va dire oui, ok, d'accord, oui, pour nous, c'est différent, alors nous, on fait ce qu'on veut. Voilà, je crois que. Merci beaucoup, je crois que c'est un bon résumé, mais c'est un point inquiétant et manifestement important. Voilà, je suis arrivé au bout des questions. J'aimerais vite profiter des quelques minutes qui restent pour reprendre un groupe de questions. Et je vais peut-être demander à Vanessa d'y répondre une seule personne, parce qu'on n'aura pas plus de temps. Je vois que plusieurs personnes qui nous suivent s'inquiètent du sort des musulmans en Chine. En lien avec ceci, la question de savoir si c'est un bon calcul de se mettre de nombreux pays musulmans à dos pour la Chine, et notamment, évidemment, ces personnes évoquent le problème des Ouïghours. Est-ce qu'il y a un problème spécifique musulman en Chine et qu'en penses-tu? Parce que je sais que tu suis de très près cette question, mm-hmm. très brève, puisqu'il nous reste 5 minutes. Oui, donc il y a beaucoup de musulmans. Oui. Il y a beaucoup de groupes musulmans en Chine, il n'y a pas que les Ouïghours, mais en l'occurrence, c'est des Ouïghours qu'on parle le plus, puisque c'est la population la plus visée qui habite un territoire extrêmement important sur les routes de la soie chinoise. La Chine ne s'est pas mis les pays musulmans à dos, au contraire. Elle a des accords économiques avec une grande partie d'entre eux. Il y a des pays comme l'Iran, il y a des pays comme l'Égypte, c'est pas vraiment des démocraties, c'est pas vraiment les rois des droits humains, donc c'est pas vraiment leur souci, cette question des droits humains. Ce sont des pays aussi musulmans qui luttent contre l'extrémisme et qui entendent le discours chinois qui veut que cette lutte contre les Ouïghours est en fait une lutte contre le terrorisme. Donc il y a un amalgame qui est fait par la Chine, dont on pourrait discuter très longtemps, entre Ouïghours et terroristes. Et donc, ce sont des pays musulmans qui eux-mêmes connaissent des menaces, et sans doute plus véritables d'ailleurs qu'en Chine, terroristes, et la Chine leur présente une solution clé en main. Voilà comment ça se passe chez nous. Et regardez, ça fait 4 ans qu'on n'a plus d'actes terroristes. Au contraire, la Chine a réussi à... se faire des alliés au sein des pays musulmans. Et d'ailleurs, les 53 signataires qui étaient cités plus tôt, je me trompe peut-être de chiffre, mais c'était plus que 50, sont pour la plupart des pays musulmans, qui ont soutenu les politiques chinoises dans la région ouïghour. Donc, c'est très inquiétant, évidemment. En même temps, c'est pas si surprenant. La solidarité musulmane, elle existe évidemment entre les gens, entre les peuples, mais pas forcément entre les États. Voilà, et là, on parle d'État à État. Merci beaucoup. Une toute dernière question qu'on a reçue, une question de Marie Zenrix, qui dit, bon, d'accord, on dit qu'il faut bien distinguer le PC chinois, le Parti communiste du peuple, mais comment est-ce que c'est un peuple aussi maltraité, désinformé, tenu loin de ce qui ressemble au libre arbitre, ou tout au moins peut encore vraiment penser par lui-même. Donc, quelle est la véritable liberté de pensée qu'il y aurait sur le terrain, connaissant le niveau de contrôle terrible que la Chine essaie d'exercer sur les consciences? Marie, peut-être en une minute, puisqu'il nous reste une minute.
J'ai vu tout à l'heure un article écrit par John Yevon. Alors, certes, c'est un sociologue qui est à la retraite, donc il n'est pas tout jeune, mais si vous pouvez passer le lien, ceux qui voudraient lire cet article voient qu'il y a quand même des Chinois qui ont encore gardé toute leur tête, leur esprit critique, le sarcasme et la dérision, donc qui sont tout à fait capables de penser par eux-mêmes. Mais qu'il y ait eu un lavage du cerveau massif sur la jeunesse, c'est un fait. Et on le voit auprès des étudiants chinois lorsqu'ils arrivent en France ou en Belgique ou ailleurs aux États-Unis. Je dirais qu'il leur faut à peu près un an avant de commencer à réfléchir par eux-mêmes. Ça leur est effectivement très difficile au départ de se libérer de toute cette programmation en quelque sorte mentale qu'ils ont subie. Et puis, pour tous ceux qui s'intéressent à la Chine d'aujourd'hui, un livre vient de paraître, j'ai vu que ça a été affiché tout à l'heure, mais le titre est intéressant, « Dictature 2.0, quand la Chine surveille son peuple et demain le monde ». Voilà, je crois que c'est hélas un bon titre. Oui, voilà, grand merci. Je vous remercie vraiment chaleureusement tous les trois pour nous avoir fait profiter de vos lumières sur ces questions tellement importantes pour notre monde à venir. Un grand merci. Le temps était compté, mais je crois qu'on a pu quand même aborder beaucoup de questions. Il me reste aussi à vous rappeler, à rappeler à nos participants, nos auditeurs, qu'ils ont l'occasion de donner leur avis sur cette session via un hyperlien qui a été affiché, je crois, sur Facebook et sur YouTube. C'est BIT, oui, vous allez le voir, bit.ly/université-et-2020. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre feedback. Je vous encourage, bien sûr, à suivre nos sessions, puisqu'on est encore seulement au début de cette université d'été. Ça continue toute la semaine. Vous pouvez télécharger le programme sur votre smartphone. Et j'annonce, après la trêve du dimanche, que ce lundi prochain, deux sessions extrêmement intéressantes se profilent. À 12h, il y a le thème « Faire appel à la justice pour défendre les droits humains, une stratégie payante ?» question. Et à 20h, dans quel état se trouve le quatrième pouvoir ? La question de ce quatrième pouvoir de l'information et de la désinformation. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, une bonne suite dans l'université d'été. Encore merci à nos débatteurs, nos spécialistes de la Chine, et très bonne soirée. Bon week-end à tous. Merci. Merci. Bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir.